qu'il aurait appris que Marie aurait enceinté la femme de Dieu. Moi, je leur dis, c'est pas sa femme, c'est sa copine, c'est leur copine à tous. Il dit, bon, je ne veux pas créer de problème dans l'équipe. Et sur ce plan aussi, je me donne raison. Puisque tu prends même les deux joueurs qui sont des cadors, qui sont des leaders d'équipe, et qui a ce différent-là entre eux. Et comment toi, tu peux t'y prendre? J'ai eu la chance de rencontrer Kabadawara le 25 novembre à l'hôtel Pankamayen. J'étais avec AKB et Jean Oulare, tous d'anciens joueurs. Oulare l'a abordé, il a arrêté à quelques micros de lui. Il dit, Kaba, pourquoi tu ne sélectionnes pas? Pourquoi tu n'appelles plus Mornay, tu n'appelles plus Marie? Voilà les propos qu'il a tenus. Les propos là sont de Kaba lui-même. Il dit, Mornay, je l'ai nié titulaire trois fois. Il ne m'a pas convaincu. Et contrairement à ce que les gens racontent par rapport au vol du maillot de Vinicius, il dit, ce n'est pas le Dieu qui a demandé qu'on procède à la fouille. Il a dit au capitaine, au différent capitaine de l'équipe, qu'il a perdu son maillot, ses capitaines sont venus le voir. Il dit, la fouille, c'est moi-même qui ai demandé de procéder à la fouille. Et donc, ce n'est pas la disparition du maillot de Vinicius qui a fait que je ne sais pas. Mais je l'ai mis titulaire trois fois, il ne m'a pas donné satisfaction. Je crois que Kaba, sur ce plan, techniquement, il est dans son droit. Donc on ne peut pas dire que Kaba est contre Mornay, non. Mornay peut briller dans son club. Mais l'entraîneur, il est libre de prendre qui il veut, à condition que les résultats escomptés, qu'il puisse les avoir. Et aujourd'hui, malgré que le contenu n'est pas ça, mais on a 4 points, donc on est à 90% qualifié pour le second tour. Si on n'est pas parmi les deux premiers, et à mon avis, on peut être parmi les 4 meilleurs troisièmes, à condition que contre le Sénégal, et je trouve que c'est sur 3 résultats. Même si on doit perdre, qu'on perd par un but d'écart, comme ça on aura plus 0 et on peut être parmi les meilleurs troisièmes à la rigueur. Donc voilà le cas Mornay. Marie aussi, c'est lui-même qui l'a dit à Soune, qu'il aurait appris que Marie aurait enceinté la femme de Diego. Moi je lui ai dit, c'est pas sa femme, c'est sa copine, c'est leur copine à tous. Il dit, bon, je ne veux pas créer de problème dans l'équipe. Et sur ce plan aussi, je me donne raison. Puisque tu prends même les deux joueurs qui sont des cadors, qui sont des leaders d'équipe, et qui a ce différent-là entre eux. Et comment toi, tu peux t'y prendre? Et ils vont scinder l'équipe en deux. Chacun va aller avec son plan. Et surtout, et là où je ne suis pas d'accord avec lui, il devrait demander aussi la version de Mali. Donc il dit qu'il ne l'a pas fait et que dans les prochaines années, il va le faire. Et on souhaite que l'équipe qui a la canne là, que l'équipe là puisse nous donner de la joie, que l'équipe là puisse honorer la Guinée. Et ce n'est pas un problème de joueurs, c'est un problème d'équipe. Et il faut que les enfants qui sont là-bas là, qui mouillent le maillot, qu'ils sachent que le football, c'est la course de vitesse. Donc il faut mettre de l'intensité, sinon on aura du mal à gagner contre les grandes équipes.